Merci Géraldine, merci beaucoup. Alors voilà, nous vivons en ce moment deux temps importants. Le premier, la commémoration de la Commune, puisque le 18 mars, vous le savez, certains soldats ont retourné les crosses et ont rejoint les communards. On note souvent cette date du 18 mars comme le début de la Commune. Et puis le deuxième moment important, c'est la venue de Jean-Sébastien Mack dans le cadre de des cours consacrés à l'affaire Dreyfus. Alors je voudrais introduire rapidement cette conférence, puisque ces cours consacrés à l'affaire Dreyfus, dans ces cours consacrés à l'affaire Dreyfus, le cycle de conférences constitue à la fois un élément de continuité par rapport aux cours, un moment d'ouverture intellectuelle et puis l'occasion d'une rencontre. Alors, comme élément de continuité, le cycle de conférences est tout à fait déterminant, je crois, dans la mesure où il apparaît comme un temps d'approfondissement, tout autant qu'un regard original sur l'affaire. Il est aussi un moment d'ouverture intellectuelle. Si l'on s'entend globalement sur l'enchaînement des faits, le jeu des causes et des effets, sur l'atmosphère particulière de l'affaire Dreyfus dans le 19e siècle finissant, le regard apporté par chaque conférencier donne une richesse, apporte une richesse indéniable. L'angle de vue, les thématiques abordées, et je précise que les conférenciers sont tout à fait libres d'analyser les choses comme ils l'entendent et selon le point de vue qu'ils souhaitent adopter. Et puis, le cycle de conférences, c'est aussi, et peut-être surtout aussi, l'occasion d'une rencontre à propos de l'affaire Dreyfus. Nous en avons bien besoin de ces rencontres en ce moment. D'abord pour le plaisir de la rencontre et de la conversation qui suit, qui nous donne le sentiment sans doute de mieux exister, mais aussi pour l'inattendu que chaque intervention suscite pleinement. C'est ce triple défi que Jean-Sébastien Mack a accepté de relever en acceptant notre invitation. Ce geste amical, accepter d'intervenir au sein du cours de l'affaire Dreyfus, nous avons appris avec Alain Pagès combien l'amitié était importante dans ce cadre-là, et puis plus largement, évidemment, dans les relations qui nous lient. Ce geste d'amitié est tout autant important aujourd'hui et doit être souligné. Alors Jean-Sébastien Mack est ingénieur de recherche au sein de l'Institut des textes et des manuscrits modernes rattaché au CNRS. Il est un universitaire à la double culture, celle du chercheur, qui l'amène à publier nombre d'articles en lien avec le groupe Zola, auquel nous appartenons tous deux, mais pas seulement le groupe Zola, dans d'autres circonstances également, il est amené à publier. Mais je voudrais signaler la collaboration que nous avons connue ensemble avec d'autres chercheurs dans la publication des lettres à Alexandrine Zola chez Gallimard il y a quelques années. Et puis l'autre versant de sa culture, c'est celle de l'expert en manuscrits qui l'amène à travailler directement justement sur cette matière écrite, sur les manuscrits, à les préserver, à les valoriser et à les analyser. Mais Jean-Sébastien Mack est aussi musicien. Il a soutenu une thèse sur Alfred Bruno, dont il va être question au cours de cette conférence. Il est aussi instrumentiste, concertiste, et quand le temps le permet, il anime aussi un festival. C'est dire si son regard sur l'affaire Dreyfus est attendu à la lumière de toutes ses compétences et de l'ensemble de ses capacités qui nous le rendent précieux. Le titre de sa conférence est Lecture musicale de l'affaire Dreyfus et je lui donne tout de suite la parole. Merci beaucoup Jean-Michel pour ce mot d'introduction qui me va droit au cœur et je te remercie ainsi que l'Institut Rachi hein, de m'inviter dans votre cours et dans cette série de conférences pour une conférence qui devait avoir lieu il y a un an hein, mais qui a été remise et finalement on a réussi à tenir et à la programmer dans votre série de conférences. Donc merci beaucoup pour votre accueil. Donc effectivement, aujourd'hui, je souhaiterais évoquer finalement la musique en lien avec l'affaire Dreyfus.
Alors, effectivement, on pourrait imaginer que la musique n'a que très peu à voir avec l'affaire Dreyfus. Et j'aimerais bien vous montrer, selon différents aspects, qu'au contraire, eh bien, on peut revisiter, en quelque sorte, l'affaire Dreyfus d'après, finalement, le regard des musiciens de l'époque. Donc, mon intervention va se faire en quatre temps. Je vais, après une petite introduction, faire un état des lieux finalement de ces quelques musiciens qui s'expriment au moment où Zola écrit J'accuse en janvier 1898. Puis, dans un second temps, je montrerai finalement quel est l'état de la musique française après le cœur de l'affaire Dreyfus, donc à partir de 1900 et après le retour de Dreyfus en métropole. Dans un troisième temps, effectivement, je m'intéresserai davantage à la personnalité d'Alfred Bruno, qu'on appelle le musicien de Zola, l'ami proche de Zola. Là, encore une fois, l'amitié est très importante. Et je montrerai effectivement quel est son engagement, en fait, aux côtés de Zola dans l'affaire Dreyfus. Et enfin, si j'ai un peu de temps, j'évoquerai ce qu'Alain Pagès a appelé l'épilogue de l'affaire Dreyfus, c'est-à-dire la panthéonisation de Zola en 1908 et montrer quelle place la musique a pu tenir lors de cette cérémonie importante. Alors simplement, en introduction, je voulais vous montrer, puisqu'on parle de manuscrit, eh bien voilà ce manuscrit que j'ai retrouvé il y a quelques semaines, voilà, acheté sur Internet, et qui en fait est le manuscrit d'une petite notice non signée parue dans le Figaro du 27 mai 1903. Et dans cette notice, voilà, on apprend, en tout cas moi j'ai appris que voilà, ce qui est écrit hier matin à 9h a eu lieu au cimetière Montmartre, dans une stricte intimité, la translation des restes d'Émile Zola du caveau provisoire où il fut déposé, après ses obsèques solennelles, au tombeau que Mme Zola a fait construire sur le rond-point situé presque à l'entrée de ce cimetière. Tombeau dont l'architecte est M. Franck Jourdain et qui ne sera pas achevé avant quelques mois. Messieurs Alfred Bruno, Georges Charpentier, Fernand Desmoulins, Théodore Duret, Eugène Fasquel, Albert Laborde, Georges Loiseau et Octave Mirbeau assistaient seuls à la triste cérémonie que sa simplicité rendait plus émouvante, plus imposante encore, et ont accompagné très douloureusement le grand écrivain à la sépulture où il dort maintenant son dernier sommeil. Donc effectivement, notice non signée qui nous raconte brièvement cette cérémonie où on transfère le cercueil de Zola du caveau provisoire au caveau en principe définitif du cimetière Montmartre, non signé, et le manuscrit retrouvé il y a quelques semaines, eh bien, est de la main du musicien Alfred Bruno. Donc là, finalement, cela montre, avec ce premier indice, que voilà, ce musicien Alfred Bruno joue un rôle auprès de Zola, durant la fin de la vie de Zola, et après la mort de Zola, un rôle non négligeable, que c'est effectivement le musicien qui sera prépondérant dans la vie de Zola, notamment au moment de la fin de Dreyfus. Une seconde réflexion, c'est qu'effectivement, on n'a pas forcément en tête des textes d'engagement des musiciens dans l'affaire Dreyfus. Et donc, on a certainement l'impression que les musiciens sont absents de cette affaire Dreyfus. La semaine dernière, Alain Pagès évoquait les lettres d'inconnus envoyées à Émile Zola au moment de l'affaire Dreyfus et que nous avons éditées au sein de l'équipe Zola de l'ITEM. Actuellement, à peu près 2500 lettres sont en ligne. Et si on fait une recherche par mots-clés, si on tape « musique » ou « musicien », eh bien, on va trouver un grand nombre, en tout cas un nombre non significatif, à peu près une trentaine de lettres, eh bien, de musiciens inconnus d'Europe, d'Inde, des États-Unis, qui vont écrire à Zola pour le soutenir au moment notamment de l'écriture de J'accuse et au moment de son procès. Voilà, j'en ai mis trois. Un certain Anton Ganter de Rotterdam qui écrit une marche en l'honneur de Zola et qui lui envoie cette marche. On a également une lettre collective de l'Opéra des Pays-Bas qui soutient Zola au moment de son premier procès. Ou encore un autre, Charles Herck, toujours des Pays-Bas, qui écrit une marche en l'honneur de l'avocat Fernand Laborie. Parmi ces musiciens, j'en retiens un tout particulièrement, qui s'appelle Andriès de Rosa,
et qui va signer sous le nom de Armand de Roche. Andreas de Rosa est un diamantaire, né en 1869 et qui va mourir avec son épouse à Sobibor en avril 1943, après avoir été déporté. Et ce diamantaire, réputé conseiller fédéral du diamant, eh bien, est également un musicien méconnu, qui a écrit un certain nombre de pièces. Cette approche d'un autre ami de Zola, dont il a été question la semaine dernière avec Alain Pagès, qui est Saint-Georges de Bouëlier, et Andreas de Rosa va écrire en fait une histoire de Saint-Georges de Bouëlier et de son mouvement, le naturisme, qu'il va faire paraître au début du XXe siècle. Donc finalement, comme vous le voyez, quelque part, l'intuition est là que eh bien, les musiciens, quels qu'ils soient, inconnus ou connus finalement, sont en arrière-plan finalement du mouvement naturaliste et de l'affaire Dreyfus à la fin du XIXe siècle et au début du XXe. Donc, afin de faire ce premier panorama des musiciens au cœur de l'affaire Dreyfus, je repars finalement des traces qui sont laissées aux historiens de l'affaire, ces traces qui sont notamment ces textes d'hommage, ces campagnes de signature qui sont lancées par les Dreyfusards et les anti-Dreyfusards durant l'année 1898. Et on trouve finalement des signatures de renom, hein, notamment beaucoup d'écrivains et de journalistes. Hein, ces signatures seront d'ailleurs reprises dans cette brochure que je vous montre, l'hommage des lettres à Zola publié par la Société des gens de lettres. Et effectivement, on peut remarquer que les musiciens sont assez peu représentés. Donc du côté des Dreyfusards, je vous en montre ici trois qui sont notables, Albéric Magnard, Augustin Savard, puis dans une sixième liste de pétitions, Charles Coquelin. Le plus acharné finalement des Dreyfusards, ce sera Albéric Magnard justement, hein, qui va signer les pétitions en l'honneur de Zola, mais également celle en l'honneur du colonel Picard. On trouve aussi un Sévrac qui ne donne pas son prénom, mais dont on estime qu'il serait donc le compositeur du Sud-Ouest, Déodat de Sévérac, qui écrivait en même temps à sa mère à cette époque-là qu'il n'allait pas crier contre Dreyfus dans le quartier latin. Donc, on a d'un côté ces musiciens Dreyfusards hein, qui signent publiquement leur soutien à Zola et à Dreyfus. Et on va avoir eh bien, de manière symétrique le camp opposé de ces musiciens qui notamment vont adhérer à la Ligue de la Patrie française. Hein, le premier d'entre eux, celui qui sera le plus acharné des anti-Dreyfusards, est Vincent Dindy, hein, qui est au comité directeur de la Ligue de la Patrie française. On va trouver également Pierre de Bréville, critique musical, hein, aux côtés de Pierre Lalot, d'Henri Gauthier-Villars et aussi d'Albert Carré, directeur de l'Opéra Comique, hein, qui pourtant a fait jouer quelques années auparavant les opéras communs d'Alfred Bruno et Émile Zola. Et donc finalement, on voit que d'un côté comme de l'autre, si quelques musiciens signent ces pétitions et ces listes, eh bien ils sont assez peu nombreux hein, en face des nombreux peintres, graveurs, sculpteurs, et écrivains hein, qui vont signer ces pétitions. On note aussi l'absence totale des musiciens officiels, hein, tous ceux qui sont professeurs au Conservatoire de Paris. Théodore Dubois, son directeur, par exemple, ne s'exprime pas. On ne trouve aucune signature des six membres musiciens de l'Institut de France. Saint-Saëns se récuse en déclarant redouter une deuxième commune. Gabriel Fauré se tait et beaucoup d'autres avec lui. On pourrait s'arrêter peut-être sur le cas de Bussy. Hein, on a invoqué le poids contradictoire de ces amitiés littéraires entre un Pierre Louis furieusement anti-Dreyfusard et un René Peter assidu aux prises de parole de Louise Michel et Jean Jaurès. La correspondance de ce musicien ne permet guère de se prononcer sur ses sentiments réels hein, que lui inspira l'affaire. Pourtant, poussé dans ses retranchements par Pierre Louis en mars 1898, Debussy refuse catégoriquement de faire la moindre allusion à Dreyfus dans sa réponse, mais s'étend par contre longuement sur ses problèmes sentimentaux du moment
et les affres de la composition des nocturnes, comme pour indiquer où se situent ses préoccupations. Il est en quelque sorte à l'abri des phénomènes d'ordre collectif de son époque, mais malgré tout, il fait une citation mêlant Golo et le colonel Picard, comme une preuve de sympathie de l'auteur de Pélias pour ce militaire mélomane jugé, je cite, « moins laid que tous ses comparses de l'affaire ». Le biographe de Bussy, François Lesure, dira plutôt que ce non-engagement dans l'affaire Dreyfus remonte plutôt à un traumatisme d'enfance, l'arrestation du père de Debussy, Communard, on en parlait tout à l'heure, par les Versaillais, qui frappa Debussy d'une allergie définitive à l'égard de la politique, donc allergie à laquelle son adhésion au symbolisme devait donner une justification plus rationnelle. Donc j'évoquais tout à l'heure effectivement ce couple, Dreyfusard, anti-Dreyfusard, Albéric Magnard, Vincent Dindy. Et donc je vais commencer par évoquer un peu plus en détail Albéric Magnard, qui, dès que Zola publie son J'accuse, écrit une lettre de soutien à Zola, que je vous cite. « Bravo monsieur, vous êtes un crâne, en vous l'homme vaut l'artiste. Votre courage est une consolation pour les esprits indépendants. Il y a donc encore des Français qui préfèrent la justice à leur tranquillité, qui ne tremblent pas à l'idée d'une guerre étrangère, qui ne sont pas aplatis devant ce sinistre hibou de Drummond et ce vieux polichinelle de Rochefort. Marchez, vous n'êtes pas seul, on se fera tuer au besoin. » Donc Albéric Magnard va signer les différentes pétitions publiées par l'Aurore demandant la révision du procès et la libération de Picard. Mais Magnard ne s'arrête pas là. En 1899 a lieu le procès de Rennes. Dreyfus est de nouveau condamné et Magnard est scandalisé et il démissionne immédiatement de son grade de sous-lieutenant dans des termes si inconvenants que la lettre remonte sur le bureau du directeur de l'infanterie, le général Millet, qui alerte le ministre de la guerre, Galifet. Sa démission est refusée et il doit la renouveler un an après dans des termes un peu plus polissés et plus officiels. Parmi les défenseurs de Dreyfus, Le Verrier, Émile Gallet, n'était pas un des moindres, qui est un proche, lui, de Magnard. Magnard et Gallet se connaissaient très bien, et Magnard va lui dédier l'hymne à la justice qu'il compose en 1902. Et cet hymne à la justice est un véritable hymne à la mémoire et à la défense de Dreyfus. Magnard y dénonce tous les dénis de justice et annonce dans sa péroraison le triomphe de la justice. Cet hymne a été exécuté en 1904 pour la première fois et sera souvent reprise au XXe siècle, notamment lors du concert inaugural de l'Orchestre national Libéré le 28 septembre 1944 sous la direction de Manuel Rosenthal. Donc cet hymne à la justice dédié à Émile Gallet et le manifeste musical finalement des Dreyfusards. Selon Gaston Carou, le premier biographe de Magnard, nous entendons dans la première idée se succéder l'oppression de l'injustice et l'appel douloureux à la justice. Brutalement terrassée, la victime lève les yeux vers l'idéal inaccessible. Avec une plainte qui réveille la persécution, elle voit s'évanouir la douce lueur. Mais au même moment que la violence impose son retour le plus insolent, soudain, le triomphe de la justice éclate, foudroyant, en apothéose. Donc je me propose, puisque une communication, conférence sur la musique sans musique serait un peu triste, je vous propose d'écouter le début de cette hymne à la justice de Magnard par l'orchestre du Capitole de Toulouse dirigé par Michel Plasson. Simplement, ça va me demander une petite manipulation de départage et repartage d'écran de manière à vous faire écouter le début de l'hymne à la justice. Thank you.
Voilà, donc ce premier extrait, bien sûr, vous pouvez retrouver hein, cet enregistrement sur Internet. Voilà, je repartage mon diaporama. Voilà, et donc, comme je disais, effectivement, le pendant anti-Dreyfusard de Magnard, c'est donc Vincent d'Indy. Hein, car finalement, c'est le seul musicien qui réagit aussi fortement à l'affaire, tant sur le plan politique que sur le plan musical. La correspondance de d'Indy avec Guy Repars, Pierre de Bréville, Marcel Labbé ou Octave Maus est truffée entre 1898 et 1903 de réflexions amères ou indignées, inspirées par l'actualité dreyfusienne. Je vous cite cette lettre à Octave Maus du 18 août 1999. Donc je cite Vincent d'Indy. Du 3 au 10, j'ai été à Avignon, où Borde et moi avons lutté pour la bonne cause. Lutter est le vrai mot, car les bandes dreyfusistes, à 3 francs par tête, ont tenté de nous empêcher de donner nos concerts. Borde a été poursuivi par 200 individus, heureusement plus braillards qu'autre chose. Il a eu son habit déchiré de haut en bas. Quant à moi, j'ai fait carrément le coup de poing et j'ai à peu près étranglé 2 youpins. La conscience ne me reproche que de ne pas les avoir achevés. Malgré tout, nous avons eu de belles exécutions et je t'assure que la 8e béatitude que j'ai dirigée avec 170 exécutants n'était pas piquée des hannetons. Du 13 au 17, j'étais à Saint-Étienne pour des raisons de concours orphéonique. Mais contrairement à celui de Rohan, on n'a fait à Saint-Étienne que de la musique d'une telle saleté que les Valdec et les Galifet, pourtant habitués à l'ordure, auraient hésité à y poser le doigt. C'était horrible. Rien de neuf autrement. Il paraît que l'acte de courage de Jules Guérin, le complot de Fort Chabrol, leur cause aux politiques une frousse intense, puisqu'ils ont cherché une diversion en faisant tirer sur Laborie, l'avocat de Dreyfus, par un mouchard, un pointé, qu'on a fait disparaître par la suite. Mais ne causons plus de dreyfusisme, ça n'a rien de musical, mais je serais bien trompé si ça ne finissait pas par une guerre civile ou étrangère. Donc voilà la teneur finalement de la correspondance de Vincent d'Indy à cette époque-là. Je citerai un autre passage qui confirme finalement, sinon l'antidreyfusisme, en tout cas l'antisémitisme de Vincent d'Indy qui s'exprime violemment à cette époque-là, une autre lettre qu'il écrit en 1903 à Pierre de Bréville à propos de la légende de Saint-Christophe que je vous montre ici et qui est... à l'instar de l'hymne à la justice Dreyfusard de Magnard, on va dire eh bien, le pendant musical anti-Dreyfusard. Et voici ce que Vincent d'Indy écrit à propos de cette œuvre. J'ai travaillé à l'ébauche de mon nouveau drame anti-juif, qui me passionne beaucoup. Il est bien entendu que je n'y fais aucune allusion actuelle et que les personnages ne s'y nomment ni Dreyfus, ni Reinach, ni même Combes. Ce serait leur faire trop d'honneur à ces funestes goujats. Mais je voudrais montrer dans ce drame, qui sera une sorte de mystère, la nauséabonde influence judéo-dreyfusarde avec sa floraison. Les fleurs, orgueil, jouissance, argent en conflit avec les fleurs du bien, foi, espérance, charité. Tout cela encadré dans une légende bien connue, mais qui se prête très bien à cette interprétation. Donc voilà, dans ce premier point, l'état, je dirais, des forces musicales qui se font jour au début de l'année 1898 et jusqu'au début du XXe siècle. Dans un deuxième temps, maintenant, effectivement, j'aimerais eh bien, faire le bilan un petit peu de ces quelques, finalement, 2-3 années de compas Dreyfusard et anti-Dreyfusard pour voir un peu dans quel état se trouve la musique française au début du XXe siècle et comment finalement l'affaire Dreyfus eh bien, va déteindre en définitive sur les musiciens de cette époque-là et surtout sur les politiques musicales menées dans les conservatoires et les différents lieux d'enseignement de la musique en France. Peu avant sa mort, survenue en 1910, Louis Bourgaud du Coudray, professeur d'histoire de la musique au Conservatoire de Paris, reçut un jour la visite d'un invité peu commun. Celui-ci, raconte Bourgaud du Coudray, dans une lettre non datée, était membre de l'Action française.
mouvement monarchiste, pour lequel le professeur, quoique officiant dans une institution républicaine, éprouvait une certaine sympathie. Le but de cet émissaire singulier, consulter le musicien sur un projet de soirée musicale associant littérature et musique, et ce, au bénéfice de la Ligue nationaliste. Si le professeur multiplia d'abord les mises en garde, soulignant les risques de l'entreprise dans une saison déjà largement surchargée et où les nombreuses manifestations se faisaient concurrence, il en vint peu à peu à livrer le fond de sa pensée sur le projet et le principe même du concert mis au service de l'idéologie nationaliste. Selon moi, dit-il, l'Action française comme la Paris française devrait chercher dans l'art, et particulièrement dans l'art musical, moins un moyen de recette qu'un moyen de propagande par le sentiment. Puisque l'idée de patrie est battue, il importe de formuler avec toute la puissance qu'il comporte les augures du sentiment national. Je lisais dans le Gaulois cette définition du nationalisme, le sentiment profond, les traditions, les rêves, les énergies de toute une race. Savez-vous l'unique moyen de formuler cela? C'est la musique chorale. Organiser un culte musical de la patrie et de la tradition française et donner une audition de musique patriotique au Trocadéro. Vous affirmerez avec une puissance de rayonnement incomparable l'idée que nous servons. Et finalement, ces remarques qui n'étaient nullement l'apanage de Bourgaud du Coudray, puisque d'autres ligues mettaient déjà en application ces concerts musicaux politiques, montre que la conscience de ce pouvoir de la musique se répand alors en France comme une traînée de poudre. De droite ou de gauche, les mouvements politiques se lancent dans l'organisation de concerts dont ils élaborent soigneusement le contexte. De manière aussi délibérée qu'inventive, ils y introduisent des textes à portée politique, ainsi que divers modes d'expérience collective de l'événement, de manière à accompagner ou moduler l'effet produit par les pièces jouées. Donc, du côté de la Ligue de la Patrie française et de la Schola Cantorum de Vincent Dindy, on va trouver finalement ce nouveau sésame, hein, qui est la culture. Hein, la culture qui est vue comme un moyen oblique, mais efficace, de continuer envers et contre tout, de diffuser et d'instiller subtilement les valeurs politiques qu'ils espéraient encore répandre. Car les conflits liés à la Dreyfus avaient ouvert la question, demeurée sans réponse, de l'identité française, des valeurs politiques et morales fondamentales que devait défendre la nation. L'autorité de l'État, de l'armée, de l'aristocratie, de l'Église devait-elle l'emporter sur les principes et les droits que la Révolution française avait définis avec tant d'éclat? La fin de l'affaire avait légalement du moins tranché en faveur de la Révolution, en même temps que du capitaine Dreyfus. Mais les ligues de droite, qui étaient nées de celle-là, changeant leur fusil d'épaule, contre-attaquèrent non sans finesse sur le terrain de la question connexe, quelles sont les valeurs culturelles françaises, ce qu'elle nommait bruyamment le problème culturel, devait servir de point de départ pour une contre-offensive de ce type. Culture et politique étaient donc inséparables. La première permettait de porter indirectement la contestation au sein de la seconde, puisque certaines pratiques culturelles bien choisies pouvaient saper la crédibilité du système politique. C'est donc le modèle élaboré par Wagner qui prévaut, celui d'une réforme à double face où l'engagement dans certaines formes de production culturelle vaut acte politique. Malgré le rôle capital que l'Action française devait ultérieurement jouer en la matière, une autre ligue plus importante à l'origine avait de manière quasi prophétique préparé le terrain, c'est la Ligue de la Paris française, directement issue de l'affaire Dreyfus, qui plaça les fondements du débat politique sur le terrain de la culture et de l'art français authentique. Et cela dès ses origines, puisque ses fondateurs s'étaient efforcés d'enrôler des personnalités du monde politique et intellectuel, mais aussi artistique. Effort couronné de succès, puisque des artistes de premier plan répondirent à l'appel et que siégeaient quelques-uns d'entre eux, dont Vincent Dindy. Ce dernier donc n'y joue pas les simples figurants, car le domaine musical donne à la Ligue ses succès les plus manifestes. C'est avec Dindy que débute le processus qui conduit le discours musical français à s'imprégner d'une terminologie de conception et de valeur qui dérive du domaine politique. C'est encore Dindy qui contribue à établir non seulement une palette de significations politiques dans la musique, mais aussi les critères politiques déterminant le jugement musical, autant que l'intégration de tel ou tel genre dans le corpus canonique de l'époque. C'est enfin lui qui, avec le soutien de la Ligue, parvient incontestablement à instituer un culte musical de tradition française,
grâce entre autres au nouveau cycle de concerts qu'il organise et dirige à la Scuola Cantorum. Prenant de manière tout à fait consciente le contre-pied de l'approche non historique pratiquée au conservatoire, qui se fondait alors sur le goût dominant, son école porte au pinacle la tradition, y compris la tradition française, censément indigène. Ce concept, manifestement à double entrée, établissait une résonance entre les deux domaines politiques et musicaux, tout comme l'argumentation qui l'accompagnait à la Scola, l'autorité de l'Église et les institutions qui la soutiennent. Donc, assez logiquement, la tradition française, selon Dindy, se concentre sur la période pré-révolutionnaire, censée représenter un Rimbaud d'une tradition universelle qui remonterait en dernière instance à la musique religieuse. Spiritualité et expressivité, voilà, selon Dindy, les seuls critères du chef-d'œuvre musical incarnant l'une et l'autre la force pré-rationnelle et morale de la tradition. Bien loin de jouir d'une quelconque autonomie ou d'un statut transcendant et finalité sociale, la grande musique, comme il écrit, parce qu'elle énonce avec toute la puissance imaginable la force de la tradition, constitue un facteur de moralisation. Conception fort opportunément à l'unisson de l'idéologie de la patrie française, qui avait revêtu les habits de protecteur de l'Église et contribué financièrement à la Scuola Cantorum. Et donc, position qui est, comme je disais tout à l'heure, aux antipodes des habitudes du Conservatoire de Paris, qui enseignait le répertoire récent en vogue auprès des contemporains. Donc, finalement, comme vous le voyez, Vincent Dindy recrée une historiographie par la musique qui débute avec le chant grégorien, qui se poursuit par la polyphonie sacrée jusqu'à la Renaissance et aux œuvres de Palestrina. Dindy met en avant l'art du plein chant, la polyphonie renaissante, puis l'art expressif du début du XVIIe siècle, qui comprend les maîtres italiens de la musique vocale, Monteverdi en particulier. Et il continue en France avec Lully, pour se poursuivre au siècle suivant avec Rameau. Et donc, par opposition à l'orientation classique du conservatoire, Dindy tente, entre autres choses, d'organiser en une logique historique ses valeurs et ses genres que son enseignement ressuscite. Et dans la mesure où sa conception historique se confond avec son orientation politique, les genres, styles et compositeurs dont il dessine les figures relèvent d'une énonciation idéologique. Il en est de même pour les genres musicaux dont ses élèves à la Scola jouent les pièces et qui sont pour la plupart ignorés du conservatoire avant que Fauré n'en devienne directeur. Musique pour instruments seuls, canon, fugue, suite, sonate, variation, et pour formation d'ensemble, musique de chambre comprise, avec une importance particulière accordée à la symphonie et aux poèmes symphoniques. En tant que partie intégrante de la vraie tradition, elle revêt une portée politique que les contextes performatifs soigneusement calculés de la Scola visent à activer. Et donc, en face de cette Scola Cantorum et de Vincent Dindy qui porte sur le plan musical cette politique nationaliste, eh bien, il faut qu'il y ait une riposte, finalement, une riposte de l'État et de la République. Et cette riposte va trouver finalement son creuset en 1900 et au moment de l'exposition universelle de 1900, où il s'agit là aussi d'organiser la riposte avec des concerts qui vont venir prendre la défense de la République. Car la République finalement prend conscience de cette menace idéologique et qu'il est d'urgence d'y répondre sur le même plan, sur le plan musical également. Donc l'État va finalement organiser sa contre-offensive en trois étapes. Création d'abord d'un discours à double entrée, puis série de concerts censés incarner les valeurs françaises authentiques à la mode républicaine, et enfin un développement d'institutions annexes visant à propager la compréhension des codes mis en œuvre dans le contexte soigneusement structuré des concerts. Et donc c'est cette exposition universelle de 1900 qui va permettre en fait de donner finalement le coup d'envoi de cette contre-attaque. Coup d'envoi, mais qui est le fruit finalement d'une quête déjà ancienne, puisque la République cherchait depuis longtemps à se constituer un répertoire de thèmes
de figures symboliques et de rituels capables de contrer les monarchistes sur leur terrain. Et donc, il fallait mettre en avant des figures littéraires, des figures artistiques, scientifiques, mais il manquait le volet musical. Donc, il fallait trouver finalement une personne qui puisse mettre en avant eh bien, des personnalités musicales qui viennent incarner finalement les valeurs de la République. Aussi, le 4 décembre 1899, le ministère de l'Instruction publique réunit un comité d'experts composé de personnalités de premier plan. Leur mission, préparer le programme musical de l'exposition de 1900. Dans son discours introductif, le ministre investit ce groupe hétéroclite, quoique fort distingué, d'une charge de la plus haute importance au vu de la situation politique. Il s'agissait rien de moins que d'offrir, par l'élaboration de ce programme musical, la version républicaine de l'histoire de la musique française, des origines au XXe siècle. Et une fois acquis les résultats du vote, il fallait en outre élaborer un cadre idéologique. Et c'est au compositeur Alfred Bruno que sa coopération, bien sûr, spectaculaire aux côtés de Zola durant l'affaire, qu'incombe cette responsabilité. Et donc, Alfred Bruno est chargé de rédiger ce rapport sur la musique française et d'élaborer le programme de concert pour l'exposition universelle de 1900. Sa mission était donc claire, faire pour la République ce que Dindy avait accompli pour les adversaires de celle-ci, et donc inventer un répertoire de concepts, de termes et de valeurs dont le système de résonance fonctionnerait de la même manière au carrefour des champs politiques et musicales. Parmi les motifs qui constituent donc l'ébauche de rapport qu'écrit Bruno et déterminant son interprétation, dont la trame est tirée de la tradition républicaine, aussi bien que de la récente affaire Dreyfus, c'est l'anticléricalisme qui ressort d'abord. Exigeant par opposition implicite au credo de la Schola Cantorum, l'indépendance historique de la musique française par rapport à la tradition religieuse. Second grand motif de la République d'après l'affaire Dreyfus, modulé dans l'exposition et le discours musical de Bruno, le rôle de l'héritage révolutionnaire dans l'identité nationale. Si l'affaire avait été une lutte épique entre la droite et la gauche pour l'âme de la France, pour la gauche, cette âme avait un nom, Révolution française. Donc référence de l'identité républicaine, la Révolution était pour la République à la fois mythe et objet de culte. De fait, parmi les thèmes déjà solidement ancrés au conservatoire à l'époque, figure la primauté de l'individu et le refus de toute soumission à une tradition établie. Quelle que soit celle-ci, elle est susceptible dans cette perspective de réinvention constante ou de renouvellement permanent. Et donc ce réseau conceptuel promis a une importance croissante que devait renforcer encore la rivalité politique aggravée par la Schola Cantorum, intègre aussi un autre dogme républicain essentiel, le progrès social, la nécessité du changement, en d'autres termes le refus de voir dans un ordre social quelconque une solution indéfiniment satisfaisante. Et pour couronner le tout, on place alors sous les auspices de la Révolution la culture comme force de moralisation, moyen d'assurer une moralité républicaine, laïque, distincte de la tradition religieuse. Donc, selon Bruno, à l'origine de l'histoire française de la musique, point d'église, pas de chant grégorien, mais un compositeur censé les ignorer, Adam de la Halle. Ce compositeur, déjà en quête de l'union du texte et de la mélodie, affirmé Bruno, il serait parvenu en puisant son inspiration dans les sources populaires, auprès du peuple lui-même. Dans le raisonnement de Bruno, cette réussite devait conduire in fine à la naissance du genre dramatique et musical qui représentait la quintessence du génie national, l'opéra comique. Le thème de l'inspiration populaire comme source de la vraie musique française revient souvent. Bruno s'attarde sur la manière dont Josquin des Prés reprend savamment un air populaire censé faire écho au monde réel. Même insistant sur ce motif du populaire et du réel, clé de voûte de l'histoire républicaine de la musique jusque dans les années 1930, dans l'étude consacrée aux chansons de Jeannequin, l'angle d'attaque étant cette fois l'intégration des cris de la rue parisienne, dont Bruno fait un tableau des mœurs et donc les premiers balbutiements du naturalisme. Il en conclut, comme bien d'autres après lui, que l'inspiration populaire, puisant à la rue, finalement ce qu'il appelle la vraie vie, est une constante du génie musical national et fournit un critère de ce qui est français, entre guillemets,
toujours selon Alfred Bruneau. Donc la tradition française de Bruneau, comme pour Dindy finalement, mais pour d'autres raisons, se poursuit avec Lully, dont la musique contient des éléments populaires. Rameau, auteur de théories scientifiques de l'harmonie. Et Gluck, qui préfigure les compositeurs révolutionnaires, pour se centrer ensuite sur la période révolutionnaire. Après avoir mis en avant Grétry, Bruneau encense Méhul, Gottschalk, Cherubini, Lesueur, et pour le XIXe siècle, Boieldieu, ainsi que Berlioz, pour son audacieuse indépendance. Un Berlioz auquel Bruneau, à la différence de Dindy, accorde une place royale, lui attribuant la gloire d'avoir sauvé l'opéra français de son, je cite, « italianisme décadent ». Enfin, après un panégyrique très populaire, Félicien David, Charles Gounod, Ambroise Thomas, Bruneau aborde les autres compositeurs sélectionnés pour le programme, Bizet, Delibes, Lalo, Chabrier, Chausson et Franck, pour finalement saluer dans les poèmes symphoniques de Saint-Saëns l'incarnation de l'indépendance française, puisqu'il se refuse formellement à céder à l'esclavage de la tradition ou à suivre les sentiers battus. Les échos de ce discours, destinés à connaître une très large diffusion, devaient résonner de la sphère universitaire jusque dans la critique musicale, domaine où Bruneau excellait, écrivant pour Gil Blas, Le Figaro et Le Matin, journaux qui exerçaient une forte influence. Et c'est par le biais de ces organes de presse que ces théories devaient figurer dans de nombreux textes encadrant l'exécution des morceaux et destinés à en faire résonner les aspects politiques auprès du public de l'exposition universelle de 1900. Voilà donc, rapidement esquissé finalement, les enjeux politiques de la musique française au tournant du 19e, du 20e siècle, et comme vous le voyez, comment finalement la musique s'empare du discours politique afin de forger sa propre légende, que ce soit du côté Dreyfusard ou du côté anti-Dreyfusard. Dans le temps qui me reste maintenant, j'aimerais bien malgré tout m'arrêter sur la figure d'Alfred Bruneau et son engagement dans l'affaire Dreyfus. Pour ceux qui ne sauraient pas finalement qui est Alfred Bruneau, je vais le présenter très, très rapidement. Alfred Bruneau est né en 1857 et meurt en 1934. Et il est premier prix de Rome. Il a été l'élève de Massenet en composition au Conservatoire de Paris. Et très vite, il se tourne vers la composition, notamment la composition d'opéra. Donc Alfred Bruneau fera assez peu de pièces instrumentales, quelques pièces pour violoncelle ou pour cor, pour clarinette, mais il fait essentiellement de la musique vocale, des opéras et à peu près une centaine de mélodies sur des textes de poètes anciens ou de poètes contemporains. Alfred Bruneau, dans sa jeunesse, est passionné par la lecture de Zola et il souhaite mettre en musique un des romans de Zola, La faute de l'abbé Mouret. Et donc, c'est ce qui l'amène chez Zola en 1888 afin de lui demander les droits d'adaptation de ce roman à l'opéra. Zola le reçoit très cordialement, mais doit refuser cette adaptation car Massenet, justement, a déjà réclamé ses droits. Et Zola va proposer à Alfred Bruneau de mettre en musique le roman qu'il écrit à ce moment-là, qui est Le Rêve. Et donc, Le Rêve va être composé par Bruneau sur un livret de Louis Gallet, le librettiste en vogue à l'époque, et sera joué à l'Opéra Comique en 1891. Zola s'intéresse beaucoup au travail du musicien, et vu le succès certain du Rêve à l'Opéra Comique en 1991, eh bien Zola propose ensuite à Bruneau de mettre en musique sa nouvelle des Soirées de Médan, L'Attaque du Moulin, qui sera jouée à l'Opéra Comique en 1893. Zola et Bruneau deviennent plus que des collaborateurs, ils deviennent de véritables amis. Et Alfred Bruneau, par la suite, demande à Zola de devenir son librettiste. Et Zola va écrire des livrets d'opéra pour Alfred Bruneau. Des livrets qui ne seront pas en vers, comme c'était la tradition à l'époque, mais des livrets en prose. Et le premier d'entre eux sera joué, non pas à l'opéra comique, mais à l'opéra. Ce sera à Messidor, en février 1897. Et retenez bien cette date, cette année 1897. On est quelques mois avant le début de l'engagement de Zola dans l'affaire Dreyfus.
Donc Alfred Bruneau et Zola deviennent vraiment des amis très très proches et ils le resteront jusqu'à la mort de Zola en 1902. Et effectivement, on a très longtemps finalement oublié quel a pu être le rôle d'Alfred Bruneau aux côtés de Zola au moment de l'affaire Dreyfus. À ce moment où ils sont dans une collaboration artistique importante. Finalement, le premier à mettre en avant cette collaboration et cette amitié au moment de l'affaire Dreyfus, c'est Henri Mitran, hein, qui évoque beaucoup Alfred Bruneau dans sa biographie en trois volumes de Zola. Et voici comment se souvient Philippine Bruneau, l'épouse de Zola, des premiers échos de l'affaire Dreyfus dans la vie de son mari. Un jour, en novembre 1997, alors que Madame Zola était allée en Italie faire une cure à Sasso Maggiore, Zola vint déjeuner dans notre petit entresol, 11 bis rue Viette. Tout à coup, il nous dit « Mes bons amis, c'est extraordinaire, Dreyfus est innocent. J'y perdrai mon nom, ma situation, mais je dirai qu'il est innocent. C'est un Panama militaire. Un lieutenant militaire, Georges Picard, tient la clé de l'affaire. Il est à Sousse, parlera-t-il ?» Bruneau se souvient également de ses premiers jours de l'engagement de Zola pour défendre Dreyfus, que tout le monde finalement avait quasiment oublié à cette époque. Zola vint déjeuner chez nous. Rien sur ses traits ne trahissait un trouble intérieur. Il gardait son ton habituel. Cependant, tout en terminant notre modeste repas, il me dit « Mon bon ami, vous rappelez-vous ce capitaine d'artillerie qui fut condamné à la déportation perpétuelle pour crime de trahison par un conseil de guerre et dégradé au champ de Mars ?» Ma foi, non. Mais si, le capitaine Dreyfus, eh bien, mon ami, il est innocent. On le sait et on le laisse à l'île du Diable, en Guyane, où depuis 1994, il se débat vainement contre un tel sort. Un unique militaire souhaite sa réhabilitation, un lieutenant-colonel nommé Picard. Parlera-t-il ? J'ignore ce que je ferai, mais je ferai sûrement quelque chose. Comment ne pas essayer d'empêcher cette iniquité ? Donc Alfred Bruneau est très rapidement mis dans la confidence du drame que vivait Dreyfus et de la volonté de Zola de s'engager de quelque manière que ce soit et quels que soient les risques. Risques d'ailleurs que pressent Bruneau. Voici ce qu'écrit Philippine Bruneau dans ses notes inédites, ses souvenirs sur cette époque. Elle écrit ceci. « J'eus alors la sensation nette du drame qui allait bouleverser l'existence de Zola. » Le jeter sur la place publique, en proie aux plus lâches insultes, aux plus abjectes machinations, aux périls les plus graves. Et Philippine et lui n'imaginaient pas, effectivement, que cette affaire allait également bouleverser leur propre vie, que cette affaire les mettrait tous les deux, Alfred Bruneau et Philippine, au plus près des débats et des combats. J'ai parlé tout à l'heure de Messidor, qui est créé donc, en février 1997 à l'Opéra. Quelques mois après, Messidor est repris à Nantes. Et au même moment où Zola commence à s'engager dans l'affaire Dreyfus en écrivant ses premiers articles dans Le Figaro. Et pas une reprise de Messidor à Nantes ne se passe sans qu'il y ait des bagarres devant le théâtre. Et que l'armée, que la cavalerie doit se montrer afin de faire cesser ces bagarres entre pro-Zola et anti-Zola. Donc finalement, l'opéra de Bruneau, Messidor, pâtit des premiers engagements de Zola dans l'affaire Dreyfus. Le soutien le plus important que Alfred Bruneau va donner à Zola, ce sera au moment du procès de Zola au Palais de justice de Paris en février 1898. Il sera aux côtés de Zola avec également Fernand Desmoulins. Ils sont là, je dirais, quasiment pour faire rempart de leur corps afin de protéger Zola de la foule venue le huer. Pour être présent au procès, Bruneau fait accélérer les répétitions de Messidor à Bruxelles. Il refuse d'aller à Milan pour une représentation de l'attaque du Moulin, donnée par l'éditeur Sanzogno dans son théâtre lyrique. Il manque les deux premiers jours du procès, puis dès son retour en France, prend place à ce qu'il appelle son poste d'honneur. Honneur de défendre une cause juste, honneur de soutenir celui qu'il a tant soutenu depuis 10 ans.
sa place ne pouvait être ailleurs, quels qu'en soient les risques physiques et les conséquences pour son œuvre et sa popularité. Philippine Bruno, encore elle, résume ainsi cet engagement physique. Alfred a accompagné son ami qui avait été toujours si bon pour lui. S'il ne l'avait pas fait, il aurait été un misérable. Mais il était un brave, nous avons tout sacrifié. Donc en quoi consiste le rôle de Bruno lors du procès ? Tous les matins, Bruno et Desmoulins informent la police du lieu où ils déjeuneraient le midi avec Zola. Puis après le repas, ils montaient dans une voiture qui les attendait, escortée par les agents de la sûreté. Il fallait ensuite protéger Zola afin d'entrer dans le palais de justice, puis pour en ressortir. Le jour du verdict, défavorable à l'écrivain, la foule déchaînée est plus menaçante que jamais, et il faut attendre longtemps à l'intérieur avant de pouvoir prendre la route. Voici s'écrit Alfred Bruno dans son livre de souvenirs « À l'ombre d'un grand cœur ». La police ne nous autorisa point à nous en aller immédiatement, assurant que nous serions écharpés si nous commettions cette imprudence. Elle nous retint très courtoisement du reste, tant que l'agitation extérieure ne cessa pas. Puis elle nous installa dans un de ses fiacres, dans lequel s'ouvrit une des petites grilles du quai désert. Ce véhicule nous promena doucement et gratuitement à Vincennes, à Montrouge, à Vaugirard. Nous n'avons jamais compris pourquoi. Et finalement, nous conduisit chacun chez nous. Pour un musicien, ce climat instable est peu propice à la création. Et Bruno ne peut que travailler de manière épisodique à la partition qu'il écrit au même moment, toujours sur un livret de Zola, cet opéra qui a pour titre L'Ouragan, et qui sera joué à l'Opéra Comique en 1901. Voici ce qu'il écrit à propos, ce que Bruno écrit à propos de son travail musical à cette époque. L'ouragan était moins dans ma partition inachevée, ouverte devant moi qu'au dehors, dans le choc brutal des véhémences déchaînées, dont j'écoutais l'appel incessant. Mon esprit ne pouvait se détacher de l'affaire qui seul l'attirait et le captivait. Et donc finalement, si Alfred Bruno n'a jamais composé en référence à l'affaire Dreyfus, eh bien, c'est cet ouragan dont il écrit la musique à ce moment-là qui est imprégné finalement de toute la violence de l'affaire qu'il vit de l'intérieur. Et simplement pour à la fois faire une petite pause dans la parole et vous faire écouter un peu de musique, je vais vous faire écouter le prélude de l'acte 2 de l'ouragan qui, en quelque sorte, incarne l'ouragan des passions politiques que vivent Zola et Bruno à cette époque-là. Alors, c'est un enregistrement un peu ancien de l'ORTF des années 50, donc il n'est pas d'une grande qualité au niveau du son, j'espère que cela conviendra quand même.
Voilà donc pour. Voilà donc pour. Voilà, la musique ne va pas s'arrêter. Voilà. Donc, voilà, finalement, donc pour ce poil de l'ouragan, hein, voilà, qui montre finalement l'ouragan des passions, hein, la violence des passions qui se font jour dans les circonstances de l'affaire Dreyfus. Bono va accompagner Zola dans ses différents procès, hein, de ses premiers mois de 1898 jusqu'au procès de Versailles et au départ pour l'exil à Londres de Zola. Bruno ne peut cacher longtemps la vérité à sa femme, Philippine, qui est partie en vacances sur la côte bretonne. Il a voulu la préserver jusqu'au bout, hein, de ce qui se passait à Versailles, mais il finit dans une lettre à lui avouer le rôle qu'il a joué au soir du procès et qui a permis à Zola de quitter la France en toute discrétion. Voici ce que Bruno écrit à Philippine. J'espérais pouvoir te cacher quelque temps une nouvelle qui va te faire beaucoup de peine quand tu vas la connaître. Notre ami a quitté la France lundi soir. Je suis cause que personne ne l'a su avant aujourd'hui, en rentrant chez lui à minuit avec sa femme au bras. Tout le monde, dans l'obscurité du soir, m'a pris pour lui. Mais la chose ne peut rester secrète et je t'en fais part, sans détail, craignant une indiscrétion de la poste et en te demandant naturellement de ne le dire chez nous à qui que ce soit. Je sais où il est et je lui ai écrit, naturellement, sous un autre nom que le sien, car l'important est qu'on ignore où il est. Donc désormais, Zola est en exil et c'est par lettre que Bruno peut apporter son soutien à Zola, ce qu'il ne manque pas de faire tout au long de ses 11 mois d'éloignement, restant toujours discret vis-à-vis de la police et de la presse. Bien entendu, Bruno paye très cher son engagement aux côtés de Zola. À Bruxelles, au Théâtre de la Monnaie, les représentations de Messidor marquent un coup d'arrêt. Attention complète du public qui est due au soubresaut de l'affaire Dreyfus. Et on fera payer très longtemps aux musiciens cet engagement, bien après la mort de Zola, notamment dans les milieux conservateurs de la musique et de la critique musicale. En effet, si Alfred Bruno, jusqu'à sa mort en 1934, va avoir quasiment tous les honneurs de la République, en devenant inspecteur de la musique, en étant élu à l'Institut de France, à l'Académie des Beaux-Arts, eh bien, il n'aura quasiment plus jamais de succès musical. Hein. Tous ces opéras qu'il jouera entre 1905 et 1931, d'abord inspirés de Zola, puis ensuite d'autres poètes, eh bien, seront des échecs. Et donc, Alfred Bruno, effectivement, va payer durement son engagement, hormis le fait également que eh bien, la révolution musicale passe par là, avec notamment Debussy, hein, qui finalement renvoie Alfred Bruno à une musique datée de la fin du 19e siècle. Alfred Bruno devient aussi un ami des acteurs principaux du drame, à commencer par le lieutenant-colonel Picard, à qui il rend visite en compagnie de Philippine et de Suzanne, leur fille, à la prison du Cherche-Midi, où Picard est emprisonné. Voici ce qu'il écrit dans ses souvenirs. « Ma femme et ma fille se munirent de fleurs qu'elles lui passèrent à travers les barreaux de la grille qui le séparaient de nous et derrière laquelle il se tenait tout souriant. » Enfin, le premier concerné par l'affaire, Dreyfus lui-même, devient un ami proche de Bruno, à qui il est présenté par Zola après le procès de Rennes. Voici ce que rapportent les Bruno. « Ceux-là sont de ma famille, dit Zola, à Dreyfus, en désignant les Bruno, marquant ainsi son attachement à celui qu'il a tant soutenu durant ces derniers mois. » Et c'est avec une émotion non dissimulée que Bruno peut enfin faire la connaissance de celui qu'il a tant défendu et qu'il ne connaît pas encore. Voici ce qu'il écrit dans ses souvenirs. « Quelle extraordinaire émotion nous saisit, nous secoua lorsque s'ouvrit brusquement la porte du salon où nous attendions oppressés, défaillants, l'arrivée du couple douloureux. À travers le flot de nos larmes, tout à coup jaillissantes, nous l'aperçûmes sortant de l'ombre qui enveloppait le vestibule, semblant venir, apparition fantasmagorique d'un pays fabuleux. » Par la suite, Bruno ne manquera jamais de venir en aide à Dreyfus, notamment dans ses difficultés à trouver un appartement, les propriétaires parisiens étant peu enclins à louer à un personnage si controversé. Avec leur ami commun, Franck Jourdan,
Franz Jourdain, pardon, et fait tout pour lui faciliter les choses. Alfred Dreyfus éprouve une certaine peine à trouver un logis. L'autre jour, ma femme a prononcé votre nom devant sa belle-sœur en disant que vous pourriez peut-être l'aider dans ses recherches. Aujourd'hui, je reçois une lettre du capitaine me priant de vous demander si vous connaissez quelque appartement à louer de 4000 francs environ, comprenant un salon, un petit salon, un cabinet de travail, salle à manger, trois chambres à coucher, un cabinet de toilette, et situé dans le 8e arrondissement ou dans la partie du 9e ou du 17e avoisinant le 8e. Et 30 ans plus tard, en lisant « À l'ombre d'un grand cœur », le livre de souvenirs d'Alfred Bruno, Dreyfus se souvient de la constance avec laquelle Bruno se tenait à ses côtés et aux côtés de Zola. Voici ce qu'écrit Dreyfus. Où le noble cœur qu'était Zola luttait pour la justice et la vérité, et où il trouvait un compagnon tel que vous, Alfred Bruno, pour le soutenir avec un admirable courage et une grande noblesse de caractère. Jusqu'à la fin de sa vie, Alfred Bruno va rester très fidèle à ses convictions et ne laissera jamais quelqu'un remettre en cause l'honnêteté du capitaine Dreyfus. Ainsi dut-il retirer sa fille, Suzanne, d'un cours privé, son institutrice n'ayant pas caché à ses élèves ses convictions anti-dreyfusardes. D'ailleurs, Suzanne Bruno se mariera en 1915 avec un journaliste et écrivain, René Puot, fils de Franck Puot, qui au moment de l'affaire Dreyfus dirigeait la revue Chrétienne, journal protestant qui milite en faveur du capitaine injustement condamné. Ainsi, Bruno savait de quel prix il allait payer cet engagement, mais son honnêteté intellectuelle n'aurait pu souffrir de faire des concessions dans le seul intérêt de son art et de sa renommée. Ses œuvres futures vont certes en pâtir, mais les musiciens auront su préserver l'intégrité de ses idées et de ses engagements, à la différence d'autres compositeurs de l'époque. Alors, simplement, avant de conclure sur la cérémonie du Panthéon, je vais peut-être vous raconter rapidement cette histoire qui montre que politique et musique sont toujours intrinsèquement liées, finalement. C'est qu'après la mort d'Émile Zola, Alfred Bruno écrit un oratorio en un acte qui dure à peu près 30 minutes, qui a pour titre « Lazare », sur un livret de Zola, qui est un des plus beaux textes que Zola, je pense, ait pu écrire, qui est ce Lazare ressuscité par Jésus et qui lui demande de le renvoyer à la mort, qu'à la mort et le repos qu'il cherchait après tous les tourments et les luttes de la vie. Ce livret est quasiment un texte autobiographique écrit par Zola, et Alfred Bruno va en écrire la musique après la mort de Zola, et c'est un peu le testament musical qu'il offre finalement à Zola. Et ironie du sort, ce Lazare ne sera jamais joué, jamais monté sur une scène ni française ni étrangère. Cette pièce sera jouée pour la première fois en public, mais en version de concert et non scénique, à Washington en 1986, lors d'un colloque consacré à Zola et les arts. Ce Lazare aurait dû être joué dans de nombreuses salles parisiennes et françaises. Bruno s'est battu pour faire jouer cet opéra qu'il n'a jamais pu monter. En désespoir de cause, voulant le faire jouer au Corrigis d'Orange en 1906 et étant en but à l'opposition politique du maire d'Orange qui ne voulait pas un opéra de Zola et Bruno dans sa ville au moment des Corrigis, eh bien, Alfred Bruno ne va pas hésiter à frapper à la porte d'un des amis issus de l'affaire Dreyfus, qui est Clémenceau, qui est alors président du Conseil. Clémenceau et Bruno se connaissent très bien, sont des amis. Et donc Bruno va frapper à la porte du président du Conseil pour lui demander qu'il fasse pression auprès du maire d'Orange afin qu'il laisse les directeurs du Corrigis d'Orange monter Lazare. Et Clémenceau va accepter. Et une correspondance nous montre que Clémenceau va mettre en balance le fait de jouer Lazare à Orange contre la promesse qu'il a faite d'installer une caserne dans la ville d'Orange. Donc le marché pour le maire d'Orange à l'époque est simple. Si vous voulez votre caserne, vous jouez Lazare de Bruno et Zola. Et finalement, après beaucoup de tractations, eh bien, Lazare ne sera pas joué à Orange, et malgré tout, Orange aura sa caserne. Je vais simplement donc vous faire écouter un court passage de ce Lazare de Bruno et Zola. Thank you.
Voilà donc pour ce Lazare de Bruno Isola qui est vraiment un petit chef-d'œuvre que je vous engage à écouter. Le disque est toujours disponible dans le commerce. Voilà, pour conclure simplement effectivement cette communication, je vais revenir très rapidement sur l'épilogue de l'affaire Dreyfus qui est la panthéonisation de Zola en juin 1908. Pourquoi revenir sur ce moment important? C'est parce que durant cette cérémonie, la musique fut très très présente, hein, beaucoup plus que lors de la panthéonisation de Victor Hugo, par exemple, en 1885. En effet, un seul discours sera prononcé ce jour-là par Gaston Doumergue, ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts. Clémenceau, bien que présent, choisissant de se taire. Et comme l'écrit Alain Pagès, la musique sera chargée de suppléer à cette parole défaillante. Et Michel de Rouen de renchérir en rappelant ces paroles de Clémenceau, je veux beaucoup de musique, sans doute pour limiter les discours au minimum. Donc, je vous rappelle simplement le programme musical de cette cérémonie, qui, selon Michel de Rouen, a dû rassembler à peu près 250 artistes, musiciens, instrumentistes et chanteurs. Nous avons la Marseillaise et le chant du départ, qui ouvrent et ferment la cérémonie. Au centre, nous avons la présence écrasante de Beethoven avec la marche funèbre de la symphonie héroïque et le final de la symphonie avec cœur. Et enfin, engoncé dans ce prestigieux programme, c'est le prélude de Messidor d'Alfred Bruno qui se fera entendre. Alors, quelques remarques sur ce programme. Déjà, la Marseillaise, bien évidemment, c'est l'hymne national qu'il est de tradition de jouer dans ce genre de cérémonie. Mais cet hymne va prendre une résonance particulière pour Alfred Bruno, car au même moment, il est en train d'essayer de monter pour l'opéra le premier des Rougon-Macquart, La fortune des Rougon. Hein, et il s'intéresse tout particulièrement au fameux épisode de la Marseillaise hein, qui se trouve dans les premières pages du roman. La présence, bien sûr, de Beethoven, qui est aussi importante. Beethoven qui figure finalement parmi les musiciens que Zola évoque dans son roman L'œuvre. Je passe sur le chant du départ finalement pour en arriver malgré tout finalement à Messidor. Hein, il fallait bien que cette cérémonie laisse la place à la musique que de Bruno. Et finalement, en quelque sorte, Messidor prend ce jour-là sa revanche hein, sur ses reprises avortées de l'année 1897. Finalement,
Bruno s'offre cette revanche et il s'en souvient en ces termes. J'éprouvais une émotion profonde en apprenant que l'admirable compagnie instrumentale et mon éminent condisciple alors à sa tête interpréterait un fragment de l'ouvrage où 11 ans auparavant, Zola et moi, nous avions affirmé nos sentiments de commune affection. Mais Missidor revêt également une valeur éminemment politique. En effet, cet opéra voit s'affronter les classes sociales, le peuple contre le patronat. Et c'est une erreur judiciaire qui, finalement, est la trame de cette dénonciation sociale. Le patron de l'usine, Gaspard, est accusé d'avoir tué le mari de Véronique. Finalement, les circonstances du drame amèneront le véritable assassin, Mathias, à se dévoiler, Gaspard étant alors réhabilité. Comme Zola l'écrit dans Le Figaro en 1997, Mathias avoue et il dit sa haine, son désir de destruction, et il finit par confesser dans un emportement dont il n'est plus le maître, que c'est lui qui a poussé, qui a tué l'homme de Véronique pour lui voler le morceau d'or. Le gouffre est là. Véronique grandit, terrible, l'y pousse à son tour, marchant à lui tel que l'inévitable et souveraine justice. Terrible mise en abîme de l'affaire Dreyfus alors que celle-ci n'existe pas encore pour Zola. Au Panthéon, la musique de Messidor prend ainsi une résonance toute particulière. Et sans vouloir faire des liens injustifiés avec le discours de Doumergue, soulignant tout de même le parallèle entre le discours du ministre et le symbole véhiculé par Messidor. L'opéra de la moisson, des idéaux sociaux, semé par son auteur dans toute son œuvre romanesque. Voici ce que disait Doumergue lors de la cérémonie du Panthéon. C'est à l'héroïsme qu'elles lui ont inspiré que nous avons voulu rendre hommage. Notre conscience est assurée que l'avenir qui verra se lever la moisson de bonté, d'équité et d'espérance infinie qu'il a aidé à semer, le ratifiera en s'y associant. Et donc, pour conclure cette conférence, je vous passe quelques extraits du prélude de Messidor, joué au Panthéon en juin 1908. Et en conclusion, je vous lirai ces quelques mots de Bruno, toujours dans ses souvenirs, qui raconte que, à l'issue de la cérémonie, ils assistent avec beaucoup d'émotion, au milieu de quelques proches, à la descente du cercueil dans le caveau.
Voici ce qu'écrit Bruno. La pierre définitivement scellée, nous y amoncelâmes nos fleurs, et d'un pas défaillant, nous regravîmes, guidés par la petite lanterne tremblante que vous savez, l'escalier tortueux dont je vous ai signalé l'horrible tristesse. Un soleil aveuglant incendiait le sol, inondait Paris de ses flammes vivantes. Tous les cœurs s'embrasaient. Quittant le Panthéon, j'adressai du regard un suprême adieu à Zola. Le fait de l'édifice étincelé, j'y lus ces mots, aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Merci beaucoup pour votre attention.